Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire une petite brassière cache-cœur. Je ne voudrais pas dire brassière parce que comme c'est adaptable de la naissance à la femme adulte, c'est pas trop une brassière. Une brassière pour une femme adulte et une brassière pour un bébé, c'est pas du tout la même chose. Donc on va dire plutôt un cache-cœur. De toute façon, vous voyez la photo, vous l'avez vue sur la miniature. Donc, comme je vous disais, c'est adaptable de la naissance à l'adulte. Vous trouverez dans la barre d'infos un lien qui vous mène vers les tableaux, vers le tableau Raglan. Ce tableau Raglan se trouve donc sur le site mamiecrochet.com dans la section utile. Là, vous allez avoir plusieurs tableaux, dont celui du raglan. Là, vous choisissez simplement de l'imprimer ou de le laisser sur le site et vous pouvez avoir toutes les tailles qui vous sont nécessaires, tous les départs nécessaires pour faire votre ouvrage dans n'importe quelle taille, comme je vous dis, de la naissance à l'adulte. Je vais donc prendre du bambou de chez Ice Yarn, ça s'appelle Bambou Soft, ça se crochette en 3 voire 4 et j'ai décidé de le crocheter en plein milieu, donc en 3,5. Alors ce coton est vraiment magnifique, je vous le recommande parce que il n'est pas très très cher, il y a 100 grammes, enfin, c'est pas que je vous fasse la publicité, c'est pas le propos, mais quand on travaille avec un produit, qu'on travaille comme dans du beurre avec, eh bien on fait partager les bonnes choses et je me régale à travailler avec ce produit, donc je me permets de vous en parler. Voilà, allez, trêve de blablatage, on va passer à ce qui est utile. Personnellement, j'ai décidé de le faire en taille naissance. Alors, je vais devoir commencer avec 46 mailles. Donc, c'est parti. On se rejoint quand les 46 mailles chaînettes sont faites. À tout de suite. Donc, une fois que j'ai fait mes 46 mailles chaînettes, je vais devoir faire une, deux mailles en l'air et je vais venir piquer dans ma 46e, donc celle-ci, et là je vais faire 7 brides. J'oubliais de vous spécifier, c'est très important, le tableau ne fonctionne que si vous utilisez un crochet en 3,5 et un fil en 4. Peu importe si c'est du coton, de la laine, du bambou, ce que vous voulez, mais c'est pour les crochets en 3,5 et le fil en 4. D'accord? Donc là je dois faire 7 brides. Donc c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À présent, afin de séparer les sections, je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je vais venir commencer ma seconde section qui sera faite de 9 brides à partir de la maille d'après. Donc je prépare ma bride et je viens faire ma première bride de ma seconde section dans cette maille, dans la maille d'après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Ça, c'était la manche. Là, maintenant, je vais venir m'attaquer au dos. Pour ça, eh bien, on va séparer par 2 mailles en l'air et je viens piquer dans la maille d'après pour commencer la section du dos qui sera composée pour ma part de 14 brides. Donc, 1, 2,
Je vous retrouve à la fin des 14. La partie du dos faite de 14 brides étant terminée, je viens séparer par deux mailles en l'air et piquer dans la maille d'après pour commencer la partie de la manche qui est composée de 9 brides. Donc 1, 2, on se retrouve au bout des 9. Une fois que j'ai fait ma section ici, je vais venir faire deux mailles en l'air, piquer dans la maille d'après pour commencer la partie du devant de mon petit cache-cœur. Donc c'est composé de 7 brides. 1, 2, oups, elle est moche celle-là. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'ai à présent toutes les parties du début de mon petit cache-cœur. Maintenant, nous allons passer au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, nous allons commencer par faire une augmentation. Donc, à partir de maintenant, chaque fois en début et en fin de rang, on fera des augmentations. C'est-à-dire que nous faisons deux mailles en l'air. Ici, nous venons faire notre bride. Et dans la même, on fait une autre bride. Et maintenant, nous allons travailler bride sur bride. Donc, dans chaque section, nous allons faire des brides sur des brides, comme ceci. On n'en oublie pas, hein, parce que c'est ça qui fait dévier les petits trous du raglan. Donc voilà, une fois que nous arrivons dans un espace, nous faisons simplement une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et là maintenant, on repart une bride dans une bride jusqu'au prochain espace qui se situe là. Donc tout simplement une bride sur une bride, les augmentations se faisant uniquement là où il y a les espaces, hein. Que ce soit pour une petite taille ou une grande taille, c'est exactement pareil, on fait exactement le même style d'augmentation. Voilà, on arrive dans un espace, donc on fait une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et donc on va faire comme ça jusqu'à se retrouver ici en fin de rang. D'accord? On fera l'augmentation ensemble. À de suite. Nous voici donc en fin de rang. Nous allons donc faire dans la dernière maille notre bride et une augmentation dans la même. Deux mailles en l'air, on tourne le travail, on fait notre bride et de suite une autre pour créer une augmentation. Voilà, donc à présent vous allez continuer la progression comme ceci, de rang en rang, d'accord, vous allez progresser petit à petit de rang en rang jusqu'à ce que vous atteigniez, comme noté sur la feuille, sur le tableau, la hauteur que vous aurez besoin d'ici des petits trous. Par exemple, pour la naissance, il va falloir que ça fasse 9 cm. D'accord? On va prendre un autre exemple. Pour 10 ans, il faudra que ça fasse 19 cm. Pour 14 ans, 23 cm. Donc,
Tant que les petits trous n'ont pas atteint la taille stipulée sur le tableau, eh bien vous continuez de faire de rang, en aller et retour. D'accord ? Eh bien, on se retrouve quand vous aurez atteint la hauteur nécessaire. À de suite. Eh bien, voilà où nous en sommes. J'ai à présent 9 cm de là à là pour la taille donc naissance. Comme je vous disais tout à l'heure, vous choisirez par rapport à la taille que vous aurez choisie. Là, vous verrez sur le tableau quelle est cette distance-là dont vous avez besoin pour la réalisation de votre ouvrage. Maintenant que j'ai la bonne distance, je vais me mettre à travailler uniquement sur les parties avant et sur la partie arrière. Je ne vais plus travailler sur les deux manches. Donc pour cela, je vais quand même travailler, faire les augmentations en début de rang. D'accord ? Donc je fais mes deux mailles en l'air. Ici, je viens faire ma bride. L'augmentation. Et une bride dans une bride jusqu'à ici. Je vous retrouve là. D'accord ? Maintenant que j'arrive ici au petit espace de l'augmentation, je viens venir le placer contre l'espace derrière, comme ceci, vous voyez. Et là, je vais venir faire ma bride à l'intérieur, comme cela. Je tourne le travail et je vais venir faire ma bride dans les mailles qui suivent. Et on continue sur la section du dos jusqu'à arriver à l'espace d'augmentation ici. On se retrouve ici. Nous voici à présent à la fin de la section du dos. On va venir placer, comme tout à l'heure, l'espace d'augmentation sur l'espace d'augmentation. Et nous venons faire notre bride ici à l'intérieur. On tourne le travail et maintenant nous allons faire la partie de devant. Et bien c'est parti, simplement une bride dans une bride et on se retrouve ici au bout. À de suite. Bien évidemment, arrivé en fin de section de devant, nous allons faire notre bride et l'augmentation pour continuer le petit effet cache-cœur. Alors, hop, on tire un peu le fil pour regarder où nous en sommes. Et voilà. Notre petit cache-cœur qui avance. D'accord ? Alors là, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est à faire la progression, la hauteur. Pour cela, vous trouverez en bas du tableau du raglan des tailles avec bébé, enfant en bas âge et vous avez dans ces dimensions la hauteur du dos. Donc, vous ferez la hauteur si vous n'avez pas l'enfant. Si vous avez l'enfant, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple de vous référer à l'enfant ou à un de ses vêtements. Mais si vous n'avez pas l'enfant, il vous suffit simplement de mesurer. Pour ma part, j'aurai besoin de 16 cm. D'ici, eh bien, jusqu'en bas, j'aurai besoin de 16 cm. Et après, c'est pareil, je vais devoir faire les manches. Donc, je vais prendre sur le petit tableau, il y a la longueur du bras, et bien je ferai simplement dans la continuité par rapport au tableau pour avoir l'ouvrage. Nous n'en sommes pas là, on va faire simplement la hauteur maintenant de l'ouvrage en se référant au tableau du raglan, les dimensions qu'il y a en dessous. Et on se retrouve quand on a fini la hauteur dessus. Lorsque vous avancez dans votre ouvrage et que vous considérez qu'il va être temps d'arrêter, il va falloir penser où est-ce que vous allez mettre la petite lanière. Alors pour ça, moi, j'ai choisi, après c'est à vous de voir ce que
vous choisirez. Mais moi, j'ai choisi de faire une petite grille pour pouvoir attacher ici et à la petite grille faire un petit nœud. Pas faire quelque chose qui fasse tout le tour de l'enfant parce que je considère que c'est un petit peu dangereux. Donc, quand je me retrouve que je positionne correctement les augmentations sur les augmentations et que je vois, pardon, et que je vois que j'arrive, vous voyez, là où il faut faire ma petite grille, je viens faire une bride que je ne finis pas, une seconde bride au même endroit pour la renforcer, une maille en l'air, donc ici je saute une maille, je viens dans l'autre et je fais pareil, une bride que je ne finis pas, une seconde bride pour la renforcer, ici je ferme les deux, une maille en l'air. Celle-ci, je la saute et là, je fais pareil. Une bride que je ne finis pas. Une bride en plus. Maintenant, je ferme les deux pour la renforcer. Et je viendrai accrocher ici mon petit lacet. D'accord? Et là, je repars exactement pareil sur la totalité du rang avec une bride dans une bride. Bien, on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Oui, j'ai oublié de vous spécifier que bien évidemment ça c'est parce que c'est une toute petite taille. Maintenant, si c'est une grande taille, bien évidemment vous allez continuer et vous ferez un lacet, hein. D'un côté ici vous mettrez un lacet là, vous ferez le tour pour venir faire un lacet devant. Là je vous donne cette astuce pour une petite taille, une taille d'un petit nourrisson, hein. Allez, on continue, on se retrouve une fois. Moi, c'est quasiment terminé. Je suis en train de finir la fin de mon rang et mon ouvrage sera terminé pour le bas. Donc, pour ma part, voulant faire simplement un cache-cœur, je considère que la hauteur est bonne. Là, je vais maintenant arrêter mon ouvrage, rentrer le fil. Venir ajouter, ça je vous montrerai un petit lassage que je glisserai ici et pour faire un petit nœud pour fermer le petit cache-cœur, d'accord? Donc pour l'instant, ce qui se passe, c'est que je vais couper, rentrer le fil et je vous retrouve après. Donc ici, je vais venir rajouter un petit lacet que je vais fabriquer avec donc du fil et mon crochet. Je vais prendre un crochet plus petit, donc à l'aide d'un crochet en numéro 2 et de mon même fil, je vais venir faire une chaînette assez longue pour pouvoir ensuite attacher en faisant une ganse là à l'intérieur du petit espace que nous avons créé. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'arrive à 45 mailles chaînettes, je viens piquer ici dans la pointe et je fais une maille coulée. Et je repars pour 45 mailles chaînettes. On se retrouve au bout des 45. À de suite. Arrivé au bout des 45, bien évidemment, je coupe. Et je vais rentrer mon fil et de ce côté et ici pour qu'il disparaisse entièrement, hein. Donc après ça, on se retrouve. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre petit lacet sur le côté, vous pouvez le rentrer donc dans la petite grille que nous avons fait, comme ceci, et là vous faites un petit nœud.
Bien évidemment, si c'est pour une taille plus grande, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire un lassage qui fait le tour du corps en cache-cœur de danseuse. Hein. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire les manches. Hein. Alors, les manches, vous avez toujours pareil sur le tableau, la longueur des manches. La longueur des manches se calcule approximativement à moitié de votre raglan. Moi, par exemple, je dois faire une longueur de bras de 16 cm. Donc, à partir de là, je vais faire 16 cm. Si ça vous paraît trop grand, sachez que le fait est, c'est qu'il faut penser qu'on plie le bras. Le bras ne reste pas tendu. Donc, quand on plie le bras, bien évidemment, ça vient à sa place. Hein. Et si c'est vraiment trop grand, il suffit simplement de retrousser après le bout de la manche pour que ça se fasse correctement. Voilà, eh bien, écoutez, on va commencer la manche. Donc, pour faire la manche, on va venir se positionner dessous le bras. On va venir prendre ici notre fil. Et nous allons venir faire une 2 mailles en l'air. Et une bride. Ensuite, on va venir faire une bride dans chaque maille qui se présente. On fait comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. À de suite. Quand on a fait le tour de la manche, on va venir faire une maille coulée pour finir notre rang. Et là, comme vous pouvez voir, c'est une taille de naissance, donc c'est pas très large. Et il ne faut pas oublier que c'est un cache-cœur. Ça veut dire que immanquablement dessous, on va mettre quelque chose. Généralement, on met et un petit body et un petit pyjama ou un petit pull, donc on va pas trop serrer et faire des diminutions. Maintenant, pour des tailles plus grandes, bien évidemment vous allez devoir faire des diminutions. Pour cela, la meilleure des solutions, c'est de prendre le vêtement de la même taille que l'enfant ou que la personne, et chaque fois sous le bras, vous allez faire une diminution et vous pourrez ainsi vous calquer sur le vêtement. Vous voyez, vous poserez dessous le vêtement. Là, vous avancerez et chaque fois que vous verrez que ça diminue, vous viendrez dessous faire votre diminution. La diminution, mais écoutez, c'est pas sorcier, c'est simplement 2 mailles en l'air. Une bride qu'on ne finit pas et une bride à côté qu'on ne finit pas et on les ferme les deux ensemble. Et là, vous avez fait votre diminution. D'accord? Eh bien, vous ferez comme ça sur les manches des vêtements que vous ferez, des cache-cœurs que vous ferez sur les plus grandes tailles. Chaque fois que vous voyez que la manche de référence diminue, vous diminuerez aussi. Il n'y a pas de solution parce que je vous donne un ouvrage en plusieurs tailles. Donc, comprenez bien que je ne peux pas vous dire en 7 ans, en 14 ans, en 15 ans, c'est pas possible. La seule chose qui est possible de faire, c'est simplement avec un ouvrage de référence, vous calquer dessus et faire des diminutions toujours en dessous des bras. D'accord? Eh bien, écoutez, pour ma part, on va se retrouver dans un peu moins de 16 cm, puisque c'est à moitié du bras. Là, il va me falloir à peu près 13 cm. Donc, je vous retrouve quand j'ai fait les 13 cm ici, les 13 cm de l'autre côté, que j'aurai donc les deux manches de faite. Je vous dis à tout de suite. Voilà, à présent que les petites manches sont faites, alors normalement on devrait s'arrêter là parce que c'est mixte. Vous pouvez bien évidemment le faire en bleu ou dans d'autres couleurs pour aussi un petit garçon.
pour un nourrisson, hein, on s'entend bien là-dessus. Même plus tard, ça ne me regarde pas, vous faites entièrement ce que vous voulez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je vais rajouter une petite bordure, comme c'est pour un bébé, je vais mettre une petite bordure. À vous de voir si vous voudrez le faire ou pas. Je re-insiste sur le fait que la façon dont j'ai fermé, c'est parce que c'est encore une fois pour un nourrisson. Vous pouvez faire une lanière beaucoup plus grande qui va venir entourer l'abdomen de l'enfant, de l'adulte, de la personne que vous aurez choisie. Hein, vous mettez ici une lanière comme celle-ci, beaucoup plus longue. Ici, une lanière beaucoup plus longue. Et vous faites le lassage sur le ventre, d'accord? Alors maintenant, pour ma part, je vais venir faire la petite bordure. Donc je viens me positionner là devant où j'ai mis le petit lassage. Je garde par contre mon crochet en numéro 3. Et avec le même bambou, coton bambou, en fait c'est du bambou. Donc c'est le bambou soft. Mais ça c'est c'est très clair, c'est ivoire clair. Je vais venir faire donc ma petite bordure. Je pique donc. Je viens faire, je sors ici mon fil. Je passe une maille. Dans la suivante, je viens faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe une maille. Dans la suivante, je fais une maille coulée. Et je recommence. Je passe une maille. Dans celle d'après, je fais 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe une maille. Dans celle d'après, je fais une maille coulée. Et je recommence ça sur la totalité. Pop, hop, hop. Je remonte, je remonte, je fais le tour. Je reviens jusqu'à revenir ici. Bien évidemment. Bien souvent, il faudra s'arranger avec la réalité. Vu que là, déjà, nous n'avons pas des mailles, nous avons des descentes. Donc, vous ferez en sorte que ce soit assez esthétique. Eh bien, écoutez, c'est parti. On se retrouve une fois que la bordure est faite. À de suite. Eh bien, voilà. Maintenant que notre bordure est faite, nous avons fini notre petite brassière, notre petit cache-cœur. C'est à vous de terminer le terme. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.